Bonjour, terminons les à côté du Prime par le point de ce qui s'est passé toute cette semaine. Tout de suite, le récap. Eh bien, et si on voyait ce qui s'est passé en coulisses ? Commençons par nos chers animateurs. Avant de rejoindre leur poste, Mariam et Yves se sont retirés dans leurs bureaux respectifs. Pendant ce temps, les équipes s'apprêtaient pour la grande bataille. Mais avant, chacun a donné ses impressions. On peut se lancer, mais ça va aller. Ça va passer. En tout cas, on sait qu'on va surmonter cette épreuve sans problème. Donc. Nous sommes très heureux d'être présents ce soir pour remporter cette victoire, parce que c'est qu'on va prendre cette victoire. Par la grâce de Dieu, quoi. Abobo, c'est la commune la plus peuplée d'Abidjan. Et nous sommes au nord d'Abidjan. Les gars, ça s'applaudit là. Nous sommes venus à cette émission pour venir gagner. Nous, c'est la victoire, la finale ou rien. Les Abobolais semblaient être très sereins avant le début des hostilités. Je retourne sur scène parce que je dois me mettre au platine. On va commencer l'émission tout à l'heure. Donc, attachez-vous, ceinture, serrez-vous lacets, c'est Interville. Et puis, ça se passe en Côte d'Ivoire pour la première fois. Donc, restez connectés sur la première. Allez! Encore une fois, nous avons rendu visite à nos très chères pom-pom girls dans leur loge. Et c'était toujours le même rituel, se faire belle avant toute prestation. Eh oui! Ça sont les pom-pom girls. Le staff des pom-pom girls. C'est pom-pom girls. Pom-pom girls. On va gâter. En fait, le truc, c'est qu'il y a des pom-pom boys aussi. N'oubliez pas ça. Les pom-pom boys, les gars. Ça se passe, hein? Pom-pom boys. Yes! Sortie de sa loge, Mariam Koulibaly était prête pour le service. Yves, lui, se précipitait pour se faire équiper. Il fallait effectivement se dépêcher, car nous n'étions plus loin de leur hache. Après quelques tests, il pouvait rejoindre sa collègue. Abidjan, bonsoir. Chers téléspectateurs, chers spectateurs, bonsoir et merci de nous faire l'honneur de nous accompagner pour cette autre manche d'Interville Côte d'Ivoire. Yves Aymar, bonsoir. Bonsoir Mariam, bonsoir aux téléspectateurs de Côte d'Ivoire et du monde entier qui nous suivent depuis leurs différents postes téléviseurs. On est très heureux d'être parmi vous et de pouvoir vous présenter ce programme à dénommer Interville, du divertissement, des couleurs, de la joie, beaucoup d'interactivité, beaucoup de chaleur avec le public et on prend plaisir à être en votre compagnie. Bonsoir Yves et Mariam. Abobo Yopougon, bonsoir. Je suis l'arbitre, je suis impartial. Alors comptez sur moi pour donner des résultats justes. Voilà donc, après les différentes présentations, le décor est ainsi planté. On va sans plus tarder passer à la présentation des deux équipes qui seront en confrontation aujourd'hui, n'est-ce pas Mariam? Je donne le top départ si tu permets Yves et Mar. Vas-y. Oui, on reçoit l'équipe de Yopougon. Ouais. La commune d'Abobo est représentée ici et ils vont faire leur entrée de façon chaleureuse avec beaucoup de dynamisme. Oui, ça sent la victoire. Allez, allez Abobo, allez, bienvenue, bienvenue Abobo, bienvenue à Interville, vous êtes chez vous. La course des bulles. C'est parti. Abobo et Yopougon s'affronteront sur trois courses. La course des bulles, 3, 2, 1, c'est parti! Début des épreuves, la course au point était donc lancée. Chacune des équipes se battait pour surclasser l'autre. Mais il y avait toujours des difficultés pour freiner leurs ardeurs. Terminé! Comment avez-vous trouvé l'épreuve? Bon, l'épreuve. Vous voyez que c'est difficile, mais ça va aller. On a perdu le premier, ça va aller, on va gagner.
C'est le, on dit toujours, ce n'est pas le début qui compte, c'est la fin qui compte. Et toi, comment tu as trouvé cette épreuve? Ah, il faut dire que l'épreuve n'est pas du tout facile avec les bulles là, ça donne vraiment le vertige. Mais il faut agir avec les coudes. Et puis bon, ça ira. Et puis le courage aussi. Il faut ajouter que c'est pas facile, mais nous sommes des durs, on est habitués à ce genre de compétition. Parce que Abobo, c'est du grand. Quand on dit Abobo, tout le monde connaît dans la Côte d'Ivoire. Donc on n'est pas venu pour jouer, on est venu pour gagner. Abobo, service pas. Service militaire. Abobo ou rien. Parce que dans le Nouveau Monde, vous avez besoin de parler à vos proches de diverses manières grâce au forfait jour. En fonction de vos besoins, avec le forfait moins intense. Et selon les circonstances, avec le forfait moins zen. MTN vous offre MTN Smart avec ses forfaits tout compris. Communiquez comme vous le sentez et en toute sérénité. MTN, everywhere you go. Ici, on s'apprêtait pour une autre épreuve. Aucun participant ne semblait intimidé par la taille des accoutrements. L'épreuve pouvait démarrer. On reconnaît donc cette avance d'Abobo sur Yopougon. Deuxième étape, deuxième épreuve. Nous verrons bien qui l'emporte sur ce coup-là. Ouais. Alors que nous allons jouer à la folie du basket. On est prêt pour la folie du basket. Trois passages par candidat. 3, 2, 1, go! C'est parti pour la folie du basket. Vous connaissez le principe. Oh là là! Troisième lancé pour Abobo. Déjà deux candidats. Le troisième. Panier. Ok. Je note que le candidat de Yopougon. Panier réussi! Terminé pour Abobo. C'est pas d'abord. Comment ça a été? Ça a été vraiment, vraiment, vraiment difficile. Mais on a pu mettre deux ballons dans le panier, donc c'est plus ou moins bon. Vu qu'on est déguisé en des ventripotents, il faut dire que vraiment ça a été beaucoup difficile d'y arriver jusqu'au bout, mais ouais. on a essayé de faire de notre mieux quoi. Et on suppose que ça ira. Pour la suite, on pense qu'Avo va gagner. Avo ouais. Gagnera. C'est le début du commencement. À la suite, on va voir le reste. On laisse pas. La folie du basket, deuxième manche avec Yopougon. 3, 2, 1, go! Et c'est parti autour des candidats de Yopougon. Panier aussi! Go! Déjà panier aussi! Tombé à la renverse. Candidat suivant. Panier aussi! Non, nous on est des jusqu'au boutistes. Yeah. 9e lancé. Je dis, regarde ce mec, il a des pompes de foot. Oh là là, ça craint, il va tirer. Ah, je pensais qu'il y arriverait, mais malheureusement. La folie du basket de Yopougon, c'est terminé. Dis-toi, comment ça a été? C'était bon, ce que je suis espéré. Au bout de l'effort du mail, quoi. Après c'est passé, on va prendre la victoire. Si, Abobo. Merci. Ouais, bien. C'est quoi la prochaine épreuve? Les animaux pâtissiers. Voilà. Et en quoi ça consiste? Voilà, un jeu qui consiste à récupérer des gâteaux qui seront lancés par un coéquipier. Donc, puisque ça se déroule sur une plaque roulante, vraiment ça ne sera pas facile. Mais je pense qu'à Bobo, c'est pas du jeu. On va tuer Yopougon. Les animaux pâtissiers, c'est parti. Les animaux pâtissiers, c'est une manche en 4 minutes, 2 minutes 30 pour les hommes et 1 minute 30 pour les femmes. Et c'est parti donc. Les animaux pâtissiers. Aucun des candidats n'a encore réussi à en prendre une. Bien, ça. Bien, déposez. Vous venez, voilà, déposez. Déposez là. Voilà, vous retournez. 5, 4, 3, 2, 1. Comment tu as trouvé cette manche? Oh, bon. Ça s'est très bien passé. Abobo avait démarré en fanfare. Mais on était sûr de nos qualités, on était sûr de nos athlètes. On savait qu'on allait prendre l'avantage. Mais là, il reste encore le dernier tour. Et je compte sur mes coéquipiers pour le battre. Et puis, on rentre à Yopougon avec la victoire.
Malgré tout, Yopougon est en tête. Quelle stratégie avez-vous mis en place? Nous pensons que c'est au mur des champions maintenant que nous allons faire la différence. Parce que c'est là-bas le plus gros lot. Et donc c'est là-bas on mise beaucoup plus encore. Voilà. On va mettre fin à la carrière de Yopougon. Bon, hein? Tout ce que Dieu fait, voilà. Bon. Voilà. Donc on attend l'épreuve du mur de truc des champions et puis bon, on va finir ça, on sera en demi-finale. C'est parti donc pour ce mur des champions opposant la commune de Yopougon à celle d'Abobo. Le candidat d'Abobo, très bien parti. Terminé pour l'épreuve du mur. La déception de Yopougon contraste avec la joie d'Abobo. Tout a marché, ça arrive souvent. C'est important. L'habitat n'a pas été à notre faveur. Mais ça fait rien, c'est Dieu qui a voulu, donc nous acceptons ce que Dieu fait. La commune d'Abobo, vainqueur donc de ce numéro d'Interville. Oui. Merci à toi Mariam. Merci à toi Yves-Emar. Et félicitations, ton équipe a gagné. Écoute, je suis un gagnant. Mais on va danser tous ensemble. Tous ensemble, au son de DJ Arsenal, une façon pour nous de lui dire merci.